So many pieces all back together now. What's your vision? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un clavier très spécial. Ce clavier est tout en verre, il n'y a aucune touche. Vous allez voir le design, c'est un clavier très spécifique, au toucher, très spécifique. On va faire ensemble le déballage de ce clavier. Je vais vous le présenter et vous allez me dire comment vous trouvez ce clavier dans les commentaires. Alors surtout, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager et pensez bien à liker la vidéo. Allez, à tout de suite pour le déballage. Nous voici donc pour le déballage de ce clavier. Alors, ce clavier a le nom du Tactis Slim 711. Je vous mettrai donc les liens dans la description et vous allez voir que ce clavier est assez curieux car au niveau des touches, on a strictement aucune touche. Vous allez voir que pour le nettoyage de ce clavier, on va pouvoir y aller à grand jet, il n'y aura aucun souci. Comme d'habitude, on a la boîte sur le bureau et on va tout de suite en faire la découverte ensemble. Et tout de suite, donc, on tombe sur la notice, une notice très complète en français. Il faut savoir que ce clavier est entièrement construit, réalisé en France. On arrive sur notre Tactis Slim 711 qui est ultra léger, ultra portable. Il est donc dans une housse en plastique, il se connecte en USB et ce clavier est compatible PC Mac. On va le sortir du plastique ensemble. Ici, je vous mets de très près le clavier et comme vous pouvez voir, toute la surface est une surface en verre, un verre de 3 mm. La sérigraphie est dessous ce verre. On va tout de suite le brancher à notre Mac pour voir exactement comment ce clavier va se comporter. Et on va voir ensemble les différentes caractéristiques de ce clavier. Donc vous voyez, il a un très beau design. Je vous le mets ici. Alors attention, ce clavier n'a aucun repère. Si on part sur le J ou le F, on ne touche rien. C'est une surface en verre. On n'a aucun repère tactile. Donc pour les personnes mal et non-voyantes, il n'y aura aucune possibilité de se servir de ce clavier puisque on n'a aucun repère sur le J, le F et sur le point 5. C'est un clavier qui va servir pour des personnes en situation de handicap avec des problématiques au niveau des doigts sur la pression des touches. Ici, il n'y aura pas du tout de pression. On aura simplement un posé des doigts et le clavier réagira instantanément. On le branche tout de suite sur notre Mac. Merci à vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout et pensez à vous abonner. Voilà donc, comme je vous disais, une prise USB. Alors, le Tactis Slim 711 est un clavier plug and play. Une fois connecté, il est instantanément reconnu par votre PC et par votre Mac. Alors, on est en présence des deux claviers, un clavier classique USB d'un Mac avec pavé numérique. Et ici, vous pouvez voir la différence de taille avec le Tactis Slim 711. Le Tactis Slim 711 avec sa surface en verre, ses touches entièrement tactiles, un clavier de grande précision. Lorsqu'on va taper, alors lorsqu'on tape sur les touches, il est équipé de bip que l'on peut régler plus ou moins fort. La frappe est très réactive. Il possède un pavé numérique et toutes les touches de fonction sur PC comme sur Mac. Ici, on a donc la touche Windows et la touche Commande.
touche option et touche alt, touche contrôle et touche de fonction. La surface du verre de 3 mm, c'est un clavier qui est très prisé dans le monde médical, puisqu'il a été prouvé avec ce clavier, on peut le nettoyer avec de l'alcool, avec n'importe quel produit ménager, puisque on peut voir ici que toutes les lettres sérigraphiées sont sérigraphiées sous le verre. Ce qui veut dire que on peut, à grande jet d'eau, laver la surface du clavier sans aucun problème. On va pouvoir aussi réagir sur la sensibilité du tactile. Ce clavier sera un très bon clavier pour les personnes qui auront des problèmes d'articulation au niveau des mains. Ce clavier donc ne possède aucune touche mécanique, il est entièrement tactile. Vas-y. B-O-N-J. Alors voilà, donc avec le clavier en toute aisance, on peut facilement taper du texte avec le pavé numérique. On voit que le tactile est très efficace. Donc un clavier tactile pour les personnes qui auront éventuellement de l'arthrose, qui auront vraiment des problèmes avec les membres supérieurs. Alors le Tactis Slim 711 est un clavier extra plat muni d'un pavé numérique. Il est entièrement tactile IP65. Vous allez pouvoir l'immerger totalement dans l'eau, entièrement faisable. Nettoyer le clavier avec n'importe quel produit désinfectant. Vous aurez la possibilité de taper avec n'importe quel type de gant, inaltérable à tous les agents chimiques, étant donné que sa surface est une surface en verre. Compatible donc PC, Windows, Linux, Mac. Un beau clavier, nouvelle génération, tout en verre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous mettrai donc le lien dans la description. Pensez à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous !